La Fédération ivoirienne de football a travaillé avec Puma, qui est le sponsor de l'équipe nationale, qui est partenaire donc de l'équipe nationale. Et Puma a mis des maillots à disposition de la Fédération ivoirienne de football, à l'endroit des entreprises citoyennes. Et donc les dispositions sont que ces entreprises citoyennes peuvent acheter des maillots et ces maillots sont à 35 000 francs l'unité. Voilà le coût réel. Parce qu'après, derrière, il y a des personnes qui en font leur affaire. Bon, soit on ne peut pas faire autrement. Mais le coût du maillot, il est de 35 000 francs vendu aux entreprises citoyennes. Pour le moment, ce maillot n'est pas vendu individuellement. Pourquoi ? Parce que simplement, les entreprises à qui la fédération a donné ces maillots, avec l'accord de Puma, doivent faire en sorte que eux aussi ou elles aussi rentrent dans leur budget ou autre. Donc c'est un prix que je donne, mais qui n'est pas un prix commercial. Ça, c'est un prix usine. Vous voyez? Et la fédération ne fait pas de bénéfices. Donc si un particulier va payer un maillot avec Puma à 35 000, bon, combien va-t-il le vendre? C'est ça justement. Donc la fédération essaie de faciliter la tâche aux entreprises citoyennes en leur remettant ces maillots au prix de l'usine qui est de 35 000 francs.